Hop là, bonjour à tous, bienvenue pour la petite vidéo enregistrée. Aujourd'hui, je suis accompagné de Marion, une amie, qui sera présente pour faire la séance. Elle était motivée. Du coup, on sera à deux, ça va être sympa, plutôt convivial. Comme ça, je pourrai expliquer les mouvements au sol avec une présentation sur une personne, sur un exemple. Aujourd'hui, du coup, c'est cuisses abdos fessiers, un renforcement musculaire assez complet, 10 minutes d'échauffement, 40 minutes de corps de séance. 10 minutes de stretching, tout ça pour 1 heure. Avoir une petite bouteille d'eau à côté de soi pour les petites pauses, petites gorgées. Avoir un tapis pour la partie au sol, pas pour tout de suite. Pour l'instant, c'est l'échauffement. Et pour les cuisses, on restera debout. D'accord? Bon, j'espère que vous êtes motivés, que ça va. Aujourd'hui, je change de lieu un petit peu, je teste un peu. À l'amicale laïque, dehors aussi. Ah, dehors, je sais pas si j'ai fait encore. Peut-être pas, mais chez moi, j'avais fait. Allez, on va pouvoir commencer tranquillement. Comme d'habitude, je vais juste mettre un peu de musique. Normalement, ça devrait être bon au niveau de la musique. J'en mets un petit peu pour le fond sonore. Voilà. Normalement, c'est bon. Vous allez bien m'entendre. Je vais quand même parler assez fort. Vous pouvez mettre de la musique chez vous également pour vous motiver. C'est pas un souci. Ok? Allez, c'est parti, hein. On enfile ses chaussures. On peut bien s'élasser. Ça marche? Allez, on relâche le tout. On va commencer par la tête. Petit cercle dans un sens. Bien échauffer l'articulation du cou. Parfait. Allez, on fait 5 dans un sens, 5 dans l'autre. Vous ne forcez pas. S'il y a des petites douleurs, on y va tranquillement. On essaie de ramener l'oreille de son épaule. Encore. Et on peut changer de sens. Dès qu'on a fait 5 rotations dans un sens. Voilà. Allez, on relâche bien les épaules. Les genoux sont déverrouillés. Ok, on peut relâcher, on relâche bien. On va enrouler les épaules vers l'arrière. On monte, j'inspire, j'expire. Vers l'arrière. Super, voilà, encore 3, 2, 1. Et vers l'avant, je monte et vers l'avant cette fois-ci. Je change de sens. Encore 3, 2, 1. Ok, relâchez. Toujours les genoux un peu déverrouillés. On serre déjà les abdos. Hein. On inspire, on ouvre et on contracte. Ok? Allez, main au niveau des épaules, petit cercle. Je vais encore échauffer un petit peu l'articulation de l'épaule. Voilà. 3, 2, 1. Et vers l'arrière pour 5, 4, 3, 2, 1. On décolle vers l'avant. Encore 4, 3, 2, 1. Et vers l'arrière. Toujours 4, 3, 2, 1. Petit cercle, un grand cercle plutôt, comme si on était à la piscine. Là. Une belle nage du papillon vers l'avant. 2, 1. Et vers l'arrière, pareil. J'inspire, j'expire, j'agrandis le cercle. Plus grande amplitude. 3, 2, 1. Ok, relâchez. On chauffe bien les épaules hein, parce qu'on aura une partie quand même au sol avec un peu de gainage. Petit cercle vers l'avant. 3, 2, 1. Et vers l'arrière. 3, 2, 1. Et bien joué. On relâche bien. On relâche un petit peu dans les jambes. Hein. Un peu en tension direct sur les quadriceps là. Main au niveau des hanches, petit cercle avec son bassin. Pied large en bassin. Je viens chercher une belle rotation dans un sens. Essaye de faire 5 répétitions. Allez, rétroversion, antéversion. Sentez bien le mouvement de la hanche qui effectue un joli cercle. Et parfait, on change de sens. Allez, rétroversion, antéversion en passant par les côtés. Encore 3, 2, 1, et on peut relâcher un petit peu. On écarte 2 fois large en bassin, on écarte un peu plus. Pareil, on part dans un sens, on vient échauffer toujours l'articulation du bassin. On va chercher un plus grand cercle, plus grande amplitude. Je vais sentir le mouvement. Rétroversion, antéversion, toujours en passant par les côtés. Parfait. Encore un petit dernier, et on tourne. On change de sens. Nickel. 3, 2, 1. Ok, je descends en squat, fesses dans l'arrière. Parfait, j'inspire, j'expire. Hein, on vient chauffer un peu les cuisses. Toujours, fesses dans l'arrière, poids du corps dans les talons. Encore. Petit dernier, et bien joué. Je remonte, je relâche tranquillement. Je marche un peu. Je viens ouvrir vers les extérieurs mes hanches. Allez, je monte. Encore. Inspire, expire. Allez, toujours. On vient ouvrir. Encore 3,
Allez, allez. Je monte bien. Allez, toujours. Super. Voilà. Petit dernier. Et bien joué. On lâche un petit peu. On vient poser sa plante de pied. Ok. Dans un sens et dans l'autre. On essaye de faire 5 répétitions comme d'habitude. Bien échauffer la flexion de la cheville. Peu importe le côté. Hein. On fait les deux. Ok. On change de sens. Parfait. Ça va toujours, Marion? Super. Et on peut changer de côté. Ok. Normalement, on est en mode miroir. Du coup, moi, c'est pied droit. Pour vous, c'est pied gauche. Parfait. On change de sens. Nickel. Ok. Relâchez. Relâchez tranquille. Allez, on va monter les genoux. On monte, on monte. Allez, on actionne les bras également. On partira sur un mouvement de step touch, hein, le petit pas latéral. Dans 3, 2, 1, on y va. 1, 2, 3, 4. Parfait. On rajoute les coudes vers l'arrière. Vous pouvez mettre un peu de musique chez vous. Nous, on a mis un petit peu de musique pour se motiver également. Pas très grave si on n'est pas sur le rythme. Là, on essaye de bien échauffer tout le corps. On pousse bien les coudes vers l'arrière. On rapproche les omoplates. Encore. Parfait. Prochain mouvement. On va aller tendre le talon devant en croisé. En 3, 2 et on y va. Hop. Je pose le talon en alterné. Encore. Parfait. On va doubler le mouvement dans 3, 2, on y va. 1, 2, 1. Deux. Allez, on pousse toujours les coudes vers l'arrière. La jambe de terre fléchie et contractée ici. Hein. Encore. Allez, parfait. Encore 3, 2. Petit dernier. Et step touch. Encore. Allez, la musique s'accélère un petit peu ici. On essaye de garder le rythme. Parfait. On peut accélérer aussi. Hein. Si vous ne le sentez pas, vous n'accélérez pas. C'est pas très grave. Encore. Parfait. Prochain mouvement. Talon fesse alterné dans 3, 2, et on y va. On ramène le talon à la fesse. Allez, sentez bien le mouvement. Je pose le pied, ça repart. Encore, encore. Allez. Et respirez bien. J'inspire, j'expire. Je vais doubler le mouvement dans 3, 2, on y va, 1, 2, 1, 2, 1, 2, toujours, parfait, allez on est bien, bien installé, on pousse toujours les coudes vers l'arrière, on ramène bien le talon à la fesse, on se concentre sur le placement, encore 3, 2, petit dernier, et step. Parfait. Allez, on pousse toujours les coudes vers l'arrière. Encore. Super. Prochain mouvement, le monté de genoux. Main opposée au coude opposé. En 3, 2, on y va. Serrez les abdos. Hein. Vous montez le genou, main opposée au coude opposé. On serre les abdos, on garde un dos droit. Expirez à monter. Encore. Super. Voilà. C'est bien, Marion. Encore. On continue. On va doubler le mouvement en 3, 2. On y va. 1, 2. On pose. On repart. Encore. Allez. Serrez les abdos. Concentrez-vous sur le placement. Des bons appuis. Super. Encore 3. 2, petit dernier, et step. Voilà, respirez bien, on respire. Nickel. Voilà, on descend un peu plus sur les cuisses. Encore. Parfait. Nickel, on descend bien sur les cuisses, toujours. Voilà, on va doubler le mouvement en 3,
2. On va doubler. 1, 2, 3, 4. Encore. Parfait. Nickel. Bon, c'est plutôt pas trop mal, Marion, là. Ouais. On gère. Yes. On va redresser. 1, 2, 3, 4. On croise derrière à 2. 1, 2, 3, 4. Nickel. Allez, à la fin, on rajoute le talon fesse. 1, 2, 3, 4. Super. Allez, 1 à 2, je croise. 3, talon fesse. 1, 2, 3, talon fesse. Encore. Super. Encore 3. 2. Petit dernier, on va chasser directement. On chasse, boum, je décale. 1, 2, 3, 4. Nickel. Sinon, c'est un petit pas chassé, tout simplement. On fait un petit pas chassé. Moi, je viens décoller. Ça fait 1 à 2, je tape. 3, 4. Encore. Super. Allez, on continue. Je rajoute les bras en coordination. Je dessine un joli cercle. Je ramène la pointe de pied vers l'arrière. Parfait. Allez, encore. Boum. On va avoir un peu d'espace. C'est vrai qu'on a de la chance. Il y en a un petit peu là. Encore 3. 2. Petit dernier, marchez. On marche. Super. Allez. Marchez bien, respirez. Marchez encore, on continue. J'avance devant. Genoux main posé, je recule ensuite. Je vais chercher. Hop, quelques petits pas. J'avance, genoux main posé. Encore. Allez. Expire à la montée. Et je réavance. Encore. Parfait. Allez. Expire. Quelques petits pas. Et boum. Encore. Voilà. Petit dernier. Et bien joué. Relâchez, prenez une petite pause, marchez un petit peu dans votre environnement, dans votre surface, petite gorgée d'eau. Ça va être chaud, Marion ? Ouais. Ça commence à chauffer ? Ouais. Cool. Allez, parfait. Allez, on va aller travailler nos cuisses. On va commencer par des squats, tout simplement. Je vous montre pour les squats. Toujours pied large en bassin, légèrement écarté vers l'extérieur, les pointes de pied. Je vais fléchir sur mes jambes, j'envoie les fesses vers l'arrière automatiquement. Les genoux dépassent pas la pointe des pieds, le poids du corps est dans les talons. Expire, inspire, expire. Pousse les fesses vers l'arrière, toujours comme si tu voulais t'asseoir sur une chaise. Ok, tu descends à 90, voire un peu moins, hein. Ça dépend si tu as des problèmes aux genoux. Tu es obligé de descendre toujours à 90, tu peux descendre un peu. Moins bas, c'est pas un problème, on envoie les fesses vers l'arrière, absolument, pour travailler et contracter nos cuisses, ok? Et on remonte, on serre les fesses. Non. Ça marche? On partira sur 8 mouvements, 8 petits en bas, et 10 secondes statiques au total. Allez, on se place, pied large en bassin, hop, on va bien les pieds, c'est parti, 3, 2, 1, on y va. Je pousse les fesses vers l'arrière, j'expire, j'inspire, j'expire, voilà, encore. Allez, toujours. 5, 4, 3, 2, petit dernier. On descend tous en bas pour des petits mouvements pour 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, statique. On tient. Allez, allez, respirez. Gonflez la poitrine. Poids du corps dans les talons. Les genoux ne passent pas la pointe des pieds. Les fesses vers l'arrière. On respire. Inspire, expire. Et bien joué. Ça brûle déjà, hein. Détendez, mettez des petits à-coups, respirez. On se replace bien, pied large en bassin, on repart pour la seconde série, 3, 2, 1, et on y va, on pousse les fesses en arrière, encore, inspire, expire, pour 6, 5, encore, 4, toujours, 3,
2. Allez, on descend tous en bas pour des petits bruits. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Statique, on tient. Pousse les fesses vers l'arrière. Ressort la poitrine. Dans les bras devant, on est fier. Le poids du corps dans les talons, les fesses vers l'arrière. On respire, inspire, expire. Et remonte. Bien joué. Ça toujours? Ça brûle, hein? C'est normal. On relâche tranquillement. Troisième série. C'est la dernière, ne vous inquiétez pas. On repart dans 3, 2, 1, on y va. Allez, 8, encore, 7, 6, 5, 4, 3, inspire, expire, encore. Allez, un petit dernier, on descend, on bloque en bas petit. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, statique, on tient, statique. Pousse les fesses vers l'arrière, regardez. Ah mais je ne dépasse pas la pointe des pieds, j'ai mes petits orteils qui décollent. On respire, on est fier. Et remontez. Bien joué. Relâchez tranquillement, on relâche. Bravo. Allez, prochain mouvement, on l'a déjà fait, c'est de dégager pied-pointe. Je vais verrouiller ma jambe droite pour notre part. On est à l'opposé, genou gauche pour vous, ok? Je verrouille, je serre, quadriceps engagé. Dégagez le pied-pointe, 8 mouvements dans un sens, ok? Ensuite, je verrouille à l'opposé, 8 de l'autre. Je peux actionner les bras en coordination. Ensuite, en alterné, 8. Ensuite, 7, ainsi de suite, bien sûr. Ça marche? On verrouille sa jambe de terre, 8 mouvements, 3, 2, 1, on y va. 8, 7, 6. Expirez. Encore. Je ramène la pointe de pied. Et encore. Allez. Toujours. 3, 2, 1. Et on change pour 8. Encore. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Alterné. Beau. Encore. Pointe de pied. On est alterné. La jambe de terre, à chaque fois, elle est bien contractée. Hein. On vient travailler dessus. Hein. Encore. 4. Repoussez les coudes vers l'arrière. Encore. 2. Petit dernier aller-retour. Et bien joué. Relâchez un peu, marchez un peu. Marchez. On relâche. Deuxième série. Ah oui, le renforcement musculaire, c'est en série. Hein. On vient travailler en répétition. On vient de travailler nos muscles, ok? Je compte avec ma jambe. 3, 2, 1, on y va. 8, 7, 6. Contrôlez le mouvement. Encore. 4, 3, 2, 1. On change, on replace, on y va. Bien. Encore. Allez. Toujours. 4, 3, 2, 1, en alterné pour 8, encore, 7, allez, poussez les coudes vers l'arrière, actionnez le haut à la fois, dégagez pieds pointe sur le côté, j'expire, allez, encore, tenez, 4, 3, 2, petit dernier aller-retour, et bien joué. Relâchez. Ça va toujours derrière? Ça va. C'est ça bon, va. Ouais. Super, on relâche tranquillement. On décontracte. On repart pour verrouiller notre jambe d'appui. La première. Dégagez pieds pointe dans 3, 2, 1. On y va. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On change pour 8, 7. 6, 5, 4, 3, 2, 1, alterné, 8, encore, expire, ramène la pointe de pied vraiment sur le côté, encore, allez, on est bien installé, on verrouille bien au milieu, hein, à chaque fois, encore,
à vous actionner les bras, comme moi, soit vers l'arrière, en step touch, encore, un aller-retour, c'est le dernier, bien joué, marchez, bien joué, ok, on a validé les squats, les dégagés plus pointes, il nous reste un mouvement à valider, j'espère que ça va toujours, on partira sur des fentes, tout simplement, là on va placer son pied gauche devant, le genou est à 90, d'accord, genou à 90, ce que je vais faire, je place bien, c'est stabilisé, ça ne bouge plus. Hein. Le genou est vraiment à 90, vraiment pas devant. Je vais faire des petites flexions, extensions. Ok, 8 mouvements. Ensuite, 8 petits en bas et statique. Ça marche? J'inspire, à la descente, j'expire à monter. Je garde un dos droit. Je contracte bien. On part en 3, 2, 1. On y va pour 8. Encore. 7. 6. Pas trop rapide. 5. 4, 3, 2, 1, on descend petit, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, statique, on tient, allez, main au niveau des hanches, gardez le dos droit, inspirez l'ombril, contractez les abdos, ça brûle, c'est normal, encore, encore, et remonte, bien joué, alors là, vous devez sentir ici, hein, votre quadril droit, ok. On va alterner, on place son pied droit devant, le genou droit à 90, ok, on place bien, hein. On est sur la pointe de pied à l'arrière, hop, je recule un petit peu, vous voyez, le genou à 90, important, petite flexion, enfin, j'inspire, j'expire, petit mouvement et 10 secondes statiques, on part en 3, 2, 1, c'est parti, j'inspire, j'expire, je descends comme je peux, hein. Je suis obligé d'aller super bas et un peu de stabilité à la fois. Encore. Allez, 4, 3, 2, 1. Petit pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Statique, statique. On tient. Tendez les bras devant. Inspire, expire. Le genou devant à 90. Obligatoire. Encore, encore. On tient. Et revenez. Allez, ça va. Ça va, ça va. Ça brûle bien. C'est normal, même moi, ça brûle. On peut relâcher. Bien joué. Premier tour validé. Petite variante pour les fentes. Parce qu'on les sent très 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 bien. Nos cuisses travaillent très bien. On va faire des fentes alternées. Toujours genou devant à 90. J'alterne de pied et de genoux. J'inspire, j'expire. Je garde le dos droit. À chaque fois, ok? Ça marche? Par pied gauche, en 3, 2, 1, on y va. J'inspire, j'expire. 7, 6, 5, encore, 4, genou à 90, j'inspire, j'expire. 3, 2, petit dernier, et bien joué. Super. Alors on doit sentir. Un peu relâcher un petit peu, sautiller un petit peu pour déranger les voisins. Ça dépend à quelle heure vous faites la séance. On décontracte bien. Troisième tour, tout simplement. On place le pied gauche devant, genou 90. Derrière, on pose le genou droit. On pose. On est sur la pointe des pieds. On va décoller le genou arrière, tout simplement. Les bras à 90, petite variante de plus. On est en statique. J'expire, j'inspire, j'expire en ramenant. On y va. Pour 8, 7, 6. Allez. J'expire en ramenant les deux coudes. Et je me concentre sur ce mouvement. On a oublié qu'on était en fente statique. Encore. 4, 3, 2, 1. Et bien joué. Remontez. Là, on travaille. Ça travaille bien. Pas de jaloux, on fait les deux côtés. Allez. Je pose mon genou gauche arrière, le genou devant à 90, je décolle le genou arrière, je me positionne bien, je me place bien, dos droit, cherche les abdos, pour la 90, on y va, expire, inspire, expire, encore, 6, 5, 4, encore, 3, 2, 1, et bien joué, remontez, super, bravo. Relâchez un petit peu dans les
dans les cuisses. Bravo, bravo. Bien joué. 25 minutes. On est dans le timing, on est pas mal. On va passer au sol, buvez une petite gorgée d'eau. On va prendre son petit tapis. Ça va toujours ? Ça va. C'est bon ? Super. Hop là. Alors, prenez votre petit tapis avec vous. Hop, je vais baisser un peu la caméra. Parfait. Super. Laissez un petit peu la musique. Normalement, ça devrait être bon. N'hésitez pas à mettre un peu de musique pour vous motiver. Hop, voilà. On va étirer nos fessiers, tout simplement. Ok ? On va se mettre en quadrupédie. On va installer ses coudes alignés aux épaules, tout simplement. Les hanches aux genoux. Je vais aller tendre ma jambe droite vers l'arrière. Jambes tendues, ok ? J'essaye de rester bien fixe, le bassin fixe. Je rentre le ventre et j'inspire dans le bride. On va partir tout simplement sur 8 grandes élévations vers le haut. J'expire, j'inspire à la descente. 8 grands mouvements. Ensuite, on bloque en haut pour des petits mouvements. Et ensuite, statique, tout simplement, ok ? Je contrôle le mouvement à la descente sans toucher avec mon pied le sol. Ça marche ? Allez, on se place bien. Coude aligné aux épaules, regarde entre les deux mains. Je tends la jambe droite vers l'arrière. Bien tendu, hein. Ok ? Grand mouvement, donc 3, 2, 1. On y va pour 8. Voilà, contrôle le mouvement. 7, 6, 5. On contrôle le mouvement à la descente, pas trop rapide. Encore. 3, 2, 1. En planco. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Statique, on tient. On tient statique. Tenez, tenez. Parfait. Voilà, on tend bien. C'est parfait encore. On respire bien et on peut relâcher. Parfait. On va rester sur la même jambe. Je vais demander à ma main de se repositionner. On a bien les coudes alignés aux épaules. On serre, on rentre le ventre. Le genou gauche est aligné à la hanche. Parfait. Tu vas pouvoir tendre ta jambe droite. Tu peux tendre ta jambe droite vers le bas pour le moment. Vers le bas. Super. On partira sur les 8 grands mouvements. On monte. Je contrôle le mouvement à la descente. J'inspire. J'expire. Et je contracte mon grand fessier. Ok ? On part dans 3, 2, 1. C'est parti pour 8. Encore. Voilà. 7. Contrôle le mouvement. 6. Allez, stabilise. Encore. Allez, encore. Expire. Contrôle le mouvement à la descente. Encore. Parfait. Allez. 3, 2, 1. Et tu vas bloquer en haut pour des petits pour 8. 7. Petit mouvement. Encore, encore. 5, 4, 3, 2, 1. Statique. Tu tiens. Tu tends bien la jambe. Encore, encore, encore. On stabilise. On essaie de bien guider le tout. On gaine le tout. On tend bien sa jambe. On gaine, on gaine. On respire. Le grand fessier est contracté. Encore. Super. Et relâché. Bien joué. Essayez-vous sur les talons. Bravo, cheval. Super. On s'assoit sur les talons. On repart. Sur la même jambe. Coude aligné aux épaules. Pareil. Je tends ma jambe droite. Je pars dans 3, 2, 1. C'est parti. Grand mouvement. 8. Je contrôle le mouvement à la descente. Pas trop rapide. Encore. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je vais monter au petit. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Statique, statique. On tient, on tient. Allez, on respire. On inspire par le nez, on expire par la bouche. Allez, respirez encore, encore, encore. 3, 2, 1. Et relâchez. Asseyez-vous sur les talons. Allez, étirez un petit peu. Poussez les mains vers l'avant. J'inspire, j'inspire, j'expire. Super. Pas jaloux, on va faire le jambe. Sinon, on va avoir une fesse plus sécole. C'est parti. Allez. Coude aligné aux épaules, les mêmes règles. On stabilise bien le genou droit à la hanche droite. Ça sera la jambe gauche qui sera tendue cette fois-ci. Ok. On gaine le tout. On inspire en embryon, on contracte les abdos. Je tends ma jambe gauche vers l'arrière.
Grand mouvement, petit mouvement, statique. 3, 2, 1, on y va. Pour 8, j'inspire, j'expire. Encore. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Encore. Voilà, pas trop rapide. Encore, encore, encore. 3, 2, 1. On bloque en haut, petit, pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Statique, statique. On respire. Inspire, expire. Vraiment sur les petits mouvements, c'est comme si on tenait bien la jambe, on la tend bien. Et c'est un tout petit mouvement. Et on relâche. Ok. Tenez-vous sur les talons. Respirez bien. Allez. Deuxième tour. On part en 3, 2, 1. On y va pour 8. Encore. 7, 6, 5, 4, 3. On contrôle le mouvement à la descente. Encore. 2, 1. On remonte au haut. Petit. On bloque en haut. Petit. 8, 7, 6, 5. 4, 3, 2, 1, statique, statique. La jambe est tendue, on est guidé de tout, partout. Les abdos sont guidés également. Je respire, j'inspire, j'expire. Encore, encore. Soufflez. Et bien joué. Bravo, essayez de vous tourner les talons. L'heure de sentir. Ça va toujours? Tu sens ta fesse? Super. Ça travaille dur à côté. Hein. Allez, dernier tour. C'est la dernière série, c'est le troisième tour. On aligne bien ses coudes aux épaules. On va rentrer le nombril. On inspire, on contracte bien les abdos. On tend sa jambe gauche. 3, 2, 1. On y va pour 8. Encore. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Encore. Contrôle le mouvement à la descente. Pas trop rapide. Voilà. Concentre-toi bien sur le placement. Sur le mouvement, tu dois bien sentir ton grand fessier se contracter. 2. Petit dernier. On bloque en haut pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Statique, statique. Allez, on respire. La jambe est tendue, elle ne bouge plus. Respirez, respirez, c'est la dernière. Toujours, toujours. Et relâchez, bravo. Tenez-vous sur le talon, bien joué. Voilà. On a bien travaillé nos fessiers. Mais on n'a pas fini, parce qu'on a fait les grands fessiers, il va nous rester les moyens fessiers. Allez, buvez une petite gorgée d'eau si besoin. Hop là. Allez, là, ma petite bouteille d'eau. Bon, j'espère que ça va toujours à la maison, que tout se passe bien. Je vous avais dit, c'est pas trop cardio là, hein. C'est plus du renfo. Par le biais de répétition. Hop là. Allez. Tout simplement, on va se placer sur le latéral gauche, le côté gauche. Je viens fléchir mon coude gauche, enfin mon bras gauche plutôt, en dessous de ma tête déjà. Le genou gauche est posé au sol à 90 degrés, ok? Et là, c'est important, avec sa main droite, on vient basculer la hanche vers l'avant. On bloque, on verrouille, ok? Ça marche? Et la jambe droite va être tendue. Pareil, 8 grands mouvements, 8 petits et statiques. Et la pointe de pied est vers le bas. Absolument pour engager mon fessier. Ça marche? Je viens juste contrôler la position de Marion. Genou à 90, c'est parfait. Le bras fléchi, bascule bien ta hanche vers l'avant. Tu verrouilles. La jambe étendue, la jambe droite. Pointe de pied orientée vers le bas. Ok? Allez, on se replace. Enfin, je me replace plutôt. On part dans 3, 2, 1, on y va pour 8, 7, c'est pareil que le grand fessier, encore, je contrôle le mouvement à la descente, sans que la pointe de pied vienne toucher le sol, encore, allez, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, parfait, allez, encore, encore, expire à la montée, inspire en contrôlant, 2,
Petit dernier. On bloque en haut. Petit. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Statique. Respirez. Allez, la jambe est bien tendue là. Point d'appui un T vers le bas. La hanche est basculée vers l'avant. Bien verrouillé. Contractez les abdos. Hein. Contractez également les abdos un petit peu là. On contracte, on inspire et relâchez. Ramenez les genoux à la poitrine. Massez votre fessier. Vous commencez déjà à tirer un petit peu, c'est possible. Et ça serait normal. On se repositionne bien. Hein. Toujours la hanche bien basculée vers l'avant, absolument. Jambes tendues, point d'appui orienté vers le bas. 3, 2, 1. On y va pour 8. Encore 7. 1, 2, 3, 4. Expire, inspire, contrôle le mouvement. Encore 4, 3, 2, 1. Bloqué, petit. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Statique, on respire. Ah, ah, ça fait mal derrière. C'est normal, on respire. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. Mais moi ça brûle, mais je ne le montre pas, tout simplement. Et relâchez. Ramenez le genou à la poitrine. Ça va toujours, Marion? Ça va. Ça tire? C'est normal. Eh oui, hein, pour avoir un joli fessier pour l'été, il faut souffrir un petit peu. Allez, on se repositionne bien. Toujours le genou gauche plaqué au sol à 90. Le bras fléchi, la hanche basculée vers l'avant. La jambe tendue, la jambe droite, pointe de pied orientée vers le bas. Cette fois-ci, on va tous partir jambes tendues en haut, comme moi. Pareil, on va faire un talon fesse. Flexion à l'extension de la jambe. On expire, ok? Ensuite, petit mouvement. Ensuite, statique. On y va. Flexion, extension. Contrôle le mouvement, pas trop rapide. Encore. 5. 4. 3. 2. 1. Je tends la jambe, petit. Pour 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Statique, statique. On tient, c'est le dernier mouvement. Encore, 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 encore. 4, 3, 2, 1, et relâchez. Là, ça brûle, hein. Là, ça brûle. On peut masser un peu son mouvement des fessiers. Bien joué. Pas de jaloux, hein. On fait les deux côtés. Ok. Ça va toujours derrière? Allez, je fléchis. Le bras droit, on est sur le côté latéral droit. On réfléchit, le genou droit à 90, ok? La jambe tendue, mais je bascule bien la hanche vers l'avant, ok? C'est bon derrière, c'est bien basculé ta hanche? Ouais. Ok, super, c'est parfait. Hop, jambe tendue, point de pied toujours orienté vers le bas pour engager le moyen fessier. 8 grands mouvements, petit, statique. 3 séries, 3, 2, 1, on y va pour 8. Encore, 1, 2, 3, 4, j'expire. J'inspire en contrôle le mouvement. Encore. Parfait. Super. Encore, encore, encore. Allez. 3. 2. 1. On bloque au petit pour 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Statique. Maintenez la position. Respirez. Sur tout le statique, on respire. J'inspire par le nez, j'expire par la bouche et je peux relâcher. Bien, je vais ramener votre petit genou, masser votre fessier un petit peu. Parfait, on se repositionne. On repart dans 3, 2, 1 et on y va pour 8. Encore, allez, allez. 7, 6, encore, 4. 3, 2, 1, petit en haut pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, statique. Allez, on tient, on tient, on tient, là ça commence à brûler. Encore, 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 jambes bien tendues, point de pied orienté vers le bas. 3, 2, 1, et bien joué. Allez, on masse un peu son fessier. Allez, c'est le dernier.
On donne tout. Hein. Bon, je sais que ça brûle, c'est normal. Moi aussi, ça brûle. Jambes tendues, pointe de pied orientée vers le bas. On part tous à jambes tendues. On remplace le grand mouvement par les talons-fesses. Et on y va. Flexion, extension. Contrôlez le mouvement pour 7. Encore. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Petit pour 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2, 1, statique, c'est le dernier. Respirez, inspire, expire, encore. Allez, 3, 2, 1, et relâchez. Bien joué. Allez, pour avoir des belles fesses bien galbées pour l'été, il faut souffrir un petit peu, comme je disais. Bien joué. Buvez une petite gorgée d'eau, si besoin. Ensuite, prochain mouvement, on va aller faire des relevés de bassin pour finir sur nos fessiers. Et après, il nous restera un peu d'abdos pour la fin. Hop. Allez, pour les relevés de bassin, on se place au sol, on est sur le dos, pieds à environ 20 cm des fessiers, les mains le long du corps, on va pousser dans les talons. Pour aller chercher 8 grands mouvements vers le haut, je vous montre le mouvement. J'expire, j'ai les hanches alignées aux épaules, j'inspire sans que mes fesses touchent le sol, ok? Et je remonte, j'expire, j'inspire et j'expire, ok? 8 grands mouvements. Ensuite, on bloque en haut pour des petits. N'hésitez pas à vous replacer, je me replace pour 8, 7, 6, 5, ainsi de suite. Et statique, statique, on respire, ok? Allez, on se place, bien. Les talons à 20 cm des fessiers. Je pousse vers le haut, je contracte les fessiers, les abdos, j'inspire un nombril et je contracte mes cuisses. En fait, c'est un tout. On contracte le tout. Ok. 3, 2, 1, on y va. 8. Contrôlez les mouvements. Les fesses ne touchent pas le sol. Encore. 6. 5. 4. 3. 2. 1. On bloque en haut. Bloqué. 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, statique, statique, on tient le statique. Allez, serrez les abdos, inspirez le nombril, rentrez le ventre, contractez vos cuisses, serrez les fesses. Encore. 3, 2, 1, et relâchez. Super. Parfait. On va se repositionner. Allez, pied large en bassin. Je me permets de corriger mon ami. Hop. On a les pieds vraiment larges en bassin. Je les positionne bien. À 20 cm, un peu plus. Voilà. Je pousse dans les talons. 8 grands mouvements. On y va dans 3, 2, 1. C'est parti. Expire. Contrôle le mouvement. Encore. Sans toucher le sol avec tes fesses. Essaye. Encore. Voilà. Toujours. Encore. Allez, on y va. 4, 3. Pas trop rapide. 2, 1. Je bloque en haut. Petit. 8, 7, 6. 5, 4, 3, encore, statique, statique, on tient, parfait, tenez, allez, on tient bien, on gagne le tout, inspirez le nombril, contractez les abdos, encore, tenez, et relâchez, parfait, bien joué, Marion. On part pour la dernière, dans 3, 2, 1, on y va, pour 8, 7. Encore. Expire. Inspire. Expire. Les fesses ne touchent pas le sol. Je contrôle le mouvement. Encore. Allez. Encore. Allez. 3. 2. 1. Je bloque haut. Bloquez tous en haut. Tous en haut. On bloque tous là pour l'instant. C'est des tout petits mouvements. Tout petits. 8. Tout petits. 7. 6. 5. 4, 3, 2, 1, et statique. Alors on rentre le ventre, on contracte les abdos, on serre les cuisses, les fessiers. C'est la dernière, encore, inspire, expire. Encore. Allez, tenez. Et bien joué, relâchez. Parfait, allez, ramenez les genoux à la poitrine.
Venez étirer un petit peu. Enroulez un petit peu le dos de droite à gauche pour soulager le bas du dos. Bien joué. Ok, on peut relâcher. On est bien positionné, on va pouvoir attaquer les abdos. Ok? Buvez un petit coup d'eau si besoin. Sinon, je vous explique le mouvement. On partira tout simplement sur des petits crunchs. J'ai les pieds larges au bassin. Absolument, je viens inspirer le nombril. Je l'inspire, j'inspire, j'inspire. Je contracte les abdos. Le dos est plaqué. Je viens vérifier avec mes deux mains. Mon dos est bien plaqué. Je vais aller décoller la tête. Épaules homoplates. 8 grands mouvements vers le haut. Je fixe un point vers le haut. Je vous montre. 8. Encore. 7. 6. Vous voyez, ma tête, épaules homoplates, se retouche pas le sol. Ensuite, je bloque au haut. Petit mouvement. Tout petit. 8. 7. C'est un tout petit mouvement. Encore. Et statique. Ok? Ça marche. On contracte les abdos absolument. On part en 3. 2. 1. C'est parti. Je décolle. J'expire. 7. 6, 5, 4, 3, 2, 1, je bloque en haut, petit, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, statique, on gagne, on serre les abdos, encore, 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 allez, allez, voilà, voilà, et relâchez, bien joué, super, allez, deuxième série, on se replace bien. Hop, on a les pieds vraiment largeur bassin, je me permets normalement, hop, je décale mes pieds, bien mes pieds, pieds largeur bassin. Tu vas inspirer l'ombril, tu le plaques bien, 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 bien au sol, ton dos est bien plaqué, c'est bon? Ouais. Ok, parfait, tu contractes bien tes abdos, tu vas décoller, tu peux placer tes deux mains derrière la tête pour soulager un peu la nuque, tu viens décoller tête, épaules homoplates et t'expires à monter et tu fixes un point vers le haut, ok? 8 grands mouvements, 3, 2, 1, on y va pour 8, encore voilà, 7. 6, 5, 4, 3, 2, 1, tu bloques en haut, 8, 7, petit mouvement, tout petit, tout petit, voilà, encore, encore, fixe un point vers le haut, encore, encore, voilà, 3, 2, 1, statique, allez, tu décolles la tête, épaules homoplates, tes mains sont là légèrement pour soulager, faut pas que ça vienne tenir ta tête, encore, encore, tu tiens, tu tiens, tu tiens, tu tiens, c'est dans la tête, encore 3, 2, 1, et bien joué. Bravo, t'as sorti tes abdos là? Oui. Parfait. Allez, dernière. Je la refais avec vous, allez. Pieds larges en bassin, je plaque le dos, j'inspire l'ombril, je contracte les abdos. Je viens lâcher avec mes deux mains, le dos est bien plaqué, je ne peux pas passer. Ok, je décolle la tête, épaules homoplates, 8 grands mouvements, petit, statique. C'est la dernière série. Je fixe surtout un point vers le haut, avec mes yeux, avec mon regard. 3, 2, 1, et on y va. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, je bloque haut. Petit, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, statique. Je respire, le dos est bien plaqué, je engage les abdos, j'engage mes abdos, encore, encore. Je respire, c'est la dernière, encore. 3, 2, 1, et bien joué. Parfait. Respirez bien, respirez bien. Ok, prochain mouvement. On va aller faire tout simplement, on va gonfler le ventre. J'inspire, j'inspire, je creuse le dos et je viens expirer, je plaque le dos. Je vais chercher à bien contracter mes abdos et le dos est bien plaqué. On va travailler sur la respiration abdominale, tout simplement, et à travailler son transverse, son muscle profond. Ça marche? Allez, on va faire 10 répétitions au total. Vous faites à votre niveau. J'inspire, je gonfle le ventre, je gonfle le ventre, je creuse un peu le dos et j'expire. Je rentre le ventre, je rentre le ventre, je contracte les abdos et je repars. Je gonfle le ventre, j'inspire, j'expire. Je plaque le dos, j'inspire le nombril, je serre les abdos. Encore, encore, encore. Voilà, je gonfle le ventre, j'inspire et j'expire. J'expire, je serre mes abdos, je plaque le dos. Encore. Je gonfle le ventre, j'inspire et j'expire. J'expire, je contracte et je serre les abdos. Encore. Allez, encore. Tenez, tenez. Encore 5 répétitions. Toujours. Ah, tu vas regarder un peu le timing si on est bon, on est pas mal là. Ok, encore. Tu gonfles le ventre.
Là, t'inspires et t'expires. T'expires profondément, tu serres tes abdos, t'inspires le nombril. Encore. Allez, allez. Toujours. Allez, encore. 2-3 répétitions. Allez, j'inspire, je gonfle le ventre. Je creuse le dos. Je peux placer mes deux mains au niveau de mon dos. Et j'expire et mon dos se plaque. Et je serre mes abdos. Encore une dernière fois. Une dernière. J'inspire, je gonfle le ventre. Et j'expire. J'expire bien, j'expire, j'expire, j'expire. Mon dos est plaqué, je contracte bien les abdos. Et bien joué. Parfait. Allez, prochain mouvement pour travailler nos obliques, les abdos qui sont sur le côté, tout simplement. On va aller décoller tête, épaule, omoplate, comme moi. Le dos est bien plaqué, j'inspire, nombril, je plaque le dos. Je vais chercher main droite, cheville droite, tout cheville, tout simplement. Ok? J'expire 1 sur 2, j'expire à gauche, inspire, expire. Ok? 8 répétitions au total, 3 séries. Ça marche? Je décolle tête, épaule, omoplate, tout cheville, 3. 2, 1, on y va pour 8. Encore. 7. Allez. 6. 5. 4. Inspire, expire. Inspire, expire. Toujours. 2, 1. Et relâchez. Bien joué. Ça va toujours à côté? C'est bon? Allez. Deuxième série, je plaque le dos comme d'habitude, je contracte mes abdos, je décolle tête, épaule, omoplate. 3, 2, 1, on y va. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et bien joué. Relâchez. Allez, j'inspire bien. C'est la dernière. Je décolle tête, épaule, omoplate. Je contracte mes abdos, le dos est plaqué. On y va. 3. Encore. Allez. 4. 3. 2. 1. Et bien joué. Super. Bravo à tous. Alors, on va finir par un tout petit défi gainage. Vraiment tout petit. Et ensuite, on passe au stretching. Ne vous inquiétez pas. On va s'étirer. Allez, pour la partie gainage, tout simplement. Ça va toujours? Ça va. Ça travaille bien les abdos là. Hein. Oui. Tout simplement, on va s'aligner coude à aligner aux épaules. On partira sur une répétition de. Enfin, sur 15 secondes de travail, pardon. Et 3 séries, ok? C'est assez rapide, c'est plutôt, plutôt accessible. Je pense que tout le monde peut le faire. 15 secondes. 3 séries, ok, avec 5 secondes de pause et on repart. On a la variante moins sur les genoux. Je positionne mes genoux, je défends le bassin, je serre les abdos. Je creuse surtout pas mon dos, hein. Je relève les fesses vers l'arrière et je contracte. Je contracte mes abdos, j'inspire le nombril. Sinon, je décolle le tout. Pied large au bassin, je pousse bien les talons vers l'arrière, je répartis bien le poids du corps, je serre mes abdos. Je creuse pas mon dos, surtout pas, sinon je relève les fesses vers le haut, ok. Deux options, ça marche. On part en 3. 2, 1, on y va. Allez, je décolle le tout si je peux. Je contracte mes abdos. Je creuse pas mon dos. Je relève les fessiers vers le haut. Encore, encore, encore. Je tiens. Je respire surtout. J'inspire, j'expire. Allez, allez, 15 secondes, ça passe vite. Toujours, poussez les talons vers l'arrière. Pied large au bassin. Encore 3, 2, 1, et relâchez. Posez. On repart en 3, 2, 1. Hein, et c'est parti, on décolle, encore, encore, toujours, 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 on garde bien, on serre les abdos, encore, parfait, parfait Marion, encore, encore, voilà, on a le pied large en bassin, soit on peut avoir les pieds serrés aussi, pour mettre plus de difficulté, on serre, et relâchez, bien joué, parfait, dernière série. On repart, en 3, 2, 1, et c'est parti. Allez, on décolle le tout et on y va. Ah oui, on m'appelle en même temps, ça peut arriver des fois, sans embêter en pleine séance. Allez, allez, on serre les abdos, je contracte, je creuse pas le dos surtout, je relève les fesses vers le haut, c'est trop dur. Allez, je me concentre sur mon placement, je répartis bien le poids du corps, d'avant en arrière, respirez, inspire, expire, encore 5, 4, 3, 2, 1 et relâche.
relâcher. Bravo. Allez, on va pouvoir enchaîner avec le stretching directement. Restez talons aux fesses. Levez une petite gorgée d'eau si vous avez soif. Toute petite. Parfait. Allez, asseyez-vous sur les talons. Je vais juste baisser un petit peu la musique. On va mettre une petite musique de méditation, ça peut être sympa pour la fin. Vous pouvez le faire aussi chez vous. Alors, méditation. Ça va toujours? Voilà, parfait. Je m'assois, hop, sur mes talons, je vais inspirer, je pousse les mains vers l'avant, j'inspire, j'inspire, et j'expire. Je pose le front au sol. Gardez vos talons fessiers le maximum possible. Ok, je ramène mes petites mains vers mes genoux. Pareil, je garde bien mes talons fessiers, j'inspire, je viens étirer, je viens étirer, j'inspire, j'inspire, et j'expire. Voilà, parfait. Super mal. Je vais écarter les mains, largeur bassin, enfin largeur d'épaule. Hop, je bascule le buste vers l'avant. Je pose bien le buste vers l'avant, ok? Je vais inspirer par le nez. Je bloque à l'expiration, je tends les bras. Je vais attirer la sangle abdominale. On a bien travaillé nos abdominaux. Je vais pousser les fesses vers l'arrière. Je pose le front au sol. Parfait. Je vais répéter ça. Ce mouvement deux fois encore, je pose le buste, j'inspire par le nez, j'expire, je tends les bras. Encore, encore. On vient étirer, c'est normal d'avoir le dos creusé, hein. C'était pas la position la plus agréable, mais ça étire la sangle abdominale. Regarde légèrement vers le haut, je pousse les fessiers vers l'arrière, je fais le dos rond, je rentre la tête, je pose le front. Parfait. Allez. Je ramène le buste à nouveau, j'inspire et j'expire, je tends les bras. Ok, parfait. Poussez les fesses vers l'arrière. Je ramène mes petites mains sur mon tapis et je vais passer directement sur le dos. Allez, allongez-vous sur le dos. Hop là, bon timing, c'est parfait. Hop, on s'allonge sur le dos. On va tendre les jambes, je vais me grandir, je me grandis, je me grandis. J'inspire, je vais chercher quelques centimètres, je pousse les mains vers le haut, je pousse dans les talons et je relâche. À nouveau. Inspirez. Et relâchez. Ok, ramenez le genou droit à la poitrine. J'inspire, je garde le dos plaqué, la tête bien posée au sol. Et je vais tendre la jambe droite vers le haut. Je l'attrape. Je peux fléchir ma jambe gauche également si je suis pas très très souple. Je tends bien ma jambe. Je ramène la pointe de pied vers moi. Parfait. Et relâchez tranquillement. Tendez la jambe droite. Ramenez le genou gauche vers la poitrine. Inspire, expire. Et tendez la jambe gauche vers le haut. Fléchissez votre genou droit pour avoir un peu plus d'étirement. Selon sa souplesse de chacun, hein. Je suis un ancien footballeur, je ne suis pas le plus souple. Voilà, on inspire, on expire et on peut relâcher. Les deux genoux sont fléchis, on va amener ces deux genoux à 90. On va positionner ces deux bras en T sur le côté. Je vais inspirer, j'inspire, j'inspire par le nez et je vais expirer. Je vais poser mes genoux sur la gauche, je pose les genoux et je ramène la tête à l'opposé. Une petite torsion. J'inspire, j'expire, relâchez vraiment le tout. J'inspire et j'expire. Voilà, maintenez. Et je ramène le genou droit au centre, le genou gauche. On va le faire à l'opposé, les genoux sur la droite, la tête à gauche. J'inspire et j'expire. Tête à l'opposé. Voilà, petite torsion. La posture est validée par Marion. Ça fait du bien. C'est vrai qu'il est plutôt agréable, c'est étirement.
Allez, je ramène le genou gauche, le genou droit. On va la répéter une seconde fois de chaque côté. J'inspire et j'expire. Ok ? Et la tête est bien à l'opposé. Parfait. Ramenez le genou droit, le genou gauche. Dernière fois, du dernier côté, j'inspire et j'expire. Parfait. Ramenez les deux genoux. Formez une petite boule. Vous ramenez le tout vers vous. Hop. Et on va basculer de droite à gauche pour soulager un peu le bas du dos. Vous allez pouvoir choisir un des deux côtés pour passer à genoux. Doucement, vous allez vous relever. Les deux mains face aux genoux. Je passe sur la plante des pieds, je déroule la voûte plantaire, les pieds sont posés au sol, talons aussi posés au sol si on peut. Voilà, je vais dérouler tranquillement, je pousse les pieds arrière, je tends les jambes, hop, je déroule la colonne vertébrale vertèbre par vertèbre, en finissant par la nuque. J'écarte pied largeur bassin, tout simplement, pied largeur bassin. Hop, je vais juste remettre ma caméra un peu plus en hauteur. Tac. Parfait. C'est nickel. Pied large au bassin. Je viens fléchir, fessier vers l'arrière. J'inspire, je monte les bras, je monte. Et je vais étirer sur un côté. Allez, on étire tout ça. Et je ramène. À nouveau, fléchissez, fessier vers l'arrière. J'inspire. Et j'expire de l'autre côté. Voilà, on étire. Et on va lâcher. Allez, deux fois largeur bassin. On agrandit. J'inspire, fessier vers l'arrière. J'inspire. Je prends une grande inspiration. Je bloque. Et je vais relâcher le tout vers le bas. On relâche toutes les tensions. Les jambes sont bien tendues. Voilà. Parfait. On fléchit à droite. On va poser son avant-bras droit. Je vais monter le bras à l'opposé. Bon, vous, pour vous, c'est l'opposé, vu qu'on a un miroir. Vous serez sur le côté gauche. Et je fais chercher à l'opposé. Inspire, expire. Ok, relâchez. Allez, ramenez le buste fier. Je viens ramener mes coudes près des genoux. Je vais écarter un petit peu l'intérieur des cuisses. Et je me redresse tranquillement. Je ramène mes petits pieds en crabe. Et bravo, on peut s'applaudir. Bien joué pour la séance. Bravo Marie. Check. Bravo. J'espère que ça va aller. Hein. Que ça a été surtout. Et je vous dis à bientôt du coup pour mardi. On fera une petite séance comme d'habitude. Midi 30, 13h15 en visio, en live, en direct. Et aujourd'hui, bah, je proposais un cuisse abdo-fessier plutôt complet. Pour avoir une vidéo aussi de renforcement musculaire pour changer des deux vidéos un peu plus cardio. Voilà. On vous souhaite une bonne semaine. À bientôt les sportifs. Au revoir.